tongana wa kina ya ko drope asanga choni mingi abra kera ga ke ligina ti ko droti ga ke menonsei mais par rapport na wasa ga na ti ko droi ede mingi amu mboko na yi même tongana langoti na ya ti da wa kina ya ti da pamne ngai ke sa tonu apeti do angbo me wa ga na ya ti ko drowe a ede. Limu merci na yuko sate nbiba kana tiga oti pirase azwalu na bangi mingi alagagi alagi fasundo na ala ye fare chitene ala sada tala mingi na bangi tigi to sibiba mini changement so na leti mbiba ni akependera ke so. L'électricité c'est important, c'est le poumon de l'économie. J'ai installé une petite poissonnerie, c'est-à-dire une boucherie, une alimentation et également un lieu de rafraîchissement. C'est grâce à l'électricité qu'on conserve mieux ces denrées alimentaires. Donc c'est vraiment très important l'électricité dans ce business. L'énergie solaire est l'avenir de l'Afrique. Des usines qui vont venir, ils ont besoin de l'électricité pour fonctionner. Aujourd'hui, les sociétés de téléphone, ils font des efforts pour avoir des groupes pour faire fonctionner. Mais je crois qu'avec le futur, ils vont utiliser l'énergie solaire pour faire fonctionner leur système en province. Depuis 3 mois, il y a de l'énergie 24 sur 24. Nous avons fait l'extension un peu du réseau pour avoir une bonne visibilité, une bonne couverture puisque nous avons de l'énergie. Non seulement ça réduit mes charges, mais ça m'a permis de donner de la qualité de service aux abonnés et avoir encore plus d'abonnés sur mon réseau. C'est un bon projet, non seulement pour les entrepreneurs, mais aussi pour les jeunes. Je suis dans la salle.